Bonjour à toutes et à tous, ici Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs. On continue notre semaine consacrée à la peur de la mort avec notre chronique Lapin Compris numéro 6, la peur de la mort. Alors, pour comprendre cette semaine, Lapin Compris a lu un bouquin de Jean Ziegler qui s'appelle Les vivants et la mort. Alors, Jean Ziegler était rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation et est toujours écrivain. Ce livre, je vous le conseille, je vais vous le montrer, je l'ai là. Voilà, il ressemble à ça. Jean Ziegler, Les vivants et la mort. Et en fait, c'est une approche sociologique de la mort par comparaison entre comment on vit la mort en Occident et son expérience du Candomblé où les Noirs du Brésil vénèrent et intègrent la mort à leur quotidien. Il y reprend notamment les 7 stades de l'agonie, ce qui peut nous aider à cerner pourquoi nous avons peur de la mort, ou plutôt tout ce qui peut l'accompagner avant qu'elle arrive vraiment. Donc c'est un livre qui est vraiment passionnant et intéressant, je vous conseille de le lire. Pour lui, libérer la mort et la réintégrer au devenir social, cette revendication grandit et fera plus que tout autre changer notre vie. Donc, je vous laisse apprécier cette petite pensée. Où se situerait la peur de la mort dans notre cerveau? Ça, c'est la question que Lapin Compris a voulu se poser aussi. Dans la partie la plus ancestrale de celui-ci, directement liée à notre instinct de survie. Effectivement, si on a peur de mourir, on se bat pour vivre. Struggle for life. Donc, cette semaine, Lapin Compris se demande si le cerveau reptilien existe ou pas. Car il faudrait bien évoluer avec cette histoire d'instinct de préservation qui nous fait survivre et vivre, mais qui nous fait faire aussi des choses pas très louables, notamment comme avoir peur. Donc, pour vous, Lapin Compris a lu Le cerveau reptilien de Sébastien Lemerle, qui est paru chez CNRS Éditions. Très sérieux, donc le bouquin un peu difficile, mais bon, si vous voulez creuser cette question de qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau et à quel endroit, celui-ci est tout indiqué sur la thématique du cerveau reptilien. Alors, il sous-titre Le cerveau reptilien sur la popularité d'une erreur scientifique. Donc, c'est assez parlant et à lui seul, ce sous-titre nous donne le ton de la manière dont il va aborder ce sujet. Pourquoi vous parlez de ça ici? Bah, pour ne rien vous cacher, hein. Voilà, on ne va pas faire de grosses digressions, mais j'ai un ami cher qui m'a échafaudé une théorie et il utilisait en fait le concept de cerveau reptilien pour baser sa théorie. Et je lui ai dit, mais c'est une erreur, puisque cette théorie n'est scientifiquement pas validée. Donc ça m'a un peu inspirée par rapport à ma thématique à moi, qui est la semaine sur la peur de la mort. Bon, deuxièmement, effectivement, quand on traite de la peur, qu'on est face à une phobie, on peut se demander s'il ne serait pas opportun de faire avancer les recherches sur ce point, puisqu'elles peuvent devenir des désagréments, voire carrément des handicaps, hein, nos peurs quand elles ne sont pas bien maîtrisées. Donc le cerveau de reptilien, c'est une théorie avancée par Paul MacLean, selon laquelle, je le cite, le cerveau humain a hérité de 3 types fondamentaux que j'appelle reptilien, mammalien ancien et néo-mammalien. Pourtant, les 3 s'imbriquent dans un cerveau tri-unique. Donc, pour théoriser cela, il s'est inspiré des travaux d'un de ses prédécesseurs, un dénommé Papez, qui lui émettait l'hypothèse de l'existence d'un circuit en anneaux à la base des sentiments, dont vous l'aurez compris, la peur fait partie. Alors, qui est Paul MacLean? C'est un médecin devenu chercheur en neurosciences. Il démarre en dirigeant une unité psychiatrique et s'occupe d'anciens soldats atteints de troubles névrotiques. Il étudie l'épilepsie, il fait des expériences sur les animaux et essaie de mettre à jour un modèle comportemental commun aux 3 espèces de vertébrés, dont les mammifères font partie. Donc, il s'inscrit dans ce courant scientifique qui tente d'expliquer les émotions par l'anatomie. Hein. Il théorise donc quelque chose qui n'est pas vérifié scientifiquement et qui a eu vraiment de beaux jours dans les médias et dans le domaine du développement personnel et de la psychologie, mais c'est faux.
Donc c'est bien de le savoir que tout le monde a relayé un truc qui était complètement faux. Donc bon, bah, ça peut arriver. Donc le cerveau reptilien serait le siège physique de toutes les violences, comportements instinctifs, pulsions, et ça nous renverrait en fait à tout ce qui est archaïque dans l'homme, un peu cro-magnon qui sommeille en nous, quoi. Donc cette théorie a beaucoup intéressé le neuromarketing aussi, puisque en s'adressant soi-disant à ce cerveau, on pouvait quand même cibler les comportements et ça intéressait donc les publicitaires et les spécialistes de la propagande. Donc en conclusion, Sébastien Lemaire nous explique quoi? Eh bien que c'est un exemple qui devrait nous appeler à la prudence et nous pose la question de la transmission du savoir scientifique. Effectivement, on a bien compris que du coup, quand on a lu le livre, on se dit c'est pas avec une théorie comme ça qu'on va résoudre notre peur de mourir. Et qui est quand même nécessaire finalement, puisqu'elle est commune à de nombreuses espèces qui lui doivent leur survie. Alors, bon, on va essayer d'être un petit peu moins intellectualisant. Lapin compris vous propose un film également sur la mort. Je ne sais pas si vous. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. C'est le film Rencontre avec Joe Black, où là, ce qui est beau dans cette histoire, c'est que bah, déjà la mort est personnifiée par Brad Pitt, donc c'est plutôt pas mal. Et cet opus sur le thème est un excellent film de Martin Brest qui est sorti en 98. Donc le rôle principal est joué par Anthony Hopkins, qui incarne un homme qui va converser avec la mort et partager ses derniers jours avec elle avant de faire le grand saut. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir ce film qui est vraiment très joli, très émouvant et que j'ai beaucoup apprécié. Alors, pour les amateurs de littérature, Lapin Compris a choisi un bouquin cette semaine. Le dernier livre de Frédéric Becbédé, qui est aussi une variation sur le thème de la mort, mais là sur la peur de mourir poussée à son paroxysme, c'est-à-dire on fait tout pour pas mourir. Donc le bouquin, je l'ai là, il s'appelle Une vie sans fin de Frédéric Becbédé, qui est paru d'abord chez Grasset, puis vous pouvez l'avoir maintenant en livre de poche. Donc là c'est pas mal, hein, c'est. Qu'est-ce que peuvent faire les gens qui ont tellement de moyens financiers qu'ils peuvent même s'acheter de la vie, finalement? Et plus que ça, ils peuvent s'empêcher de vieillir, quoi. Parce que la thématique, elle est là. Et quelque chose de plus subtil et d'autant plus beau, c'est pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir envie de ne pas mourir? Voilà. Donc, Une vie sans fin de Frédéric Becbédé. Ah, je ne vous ai pas montré le bouquin de Lemerle, pardon, mais il est un peu grand. Voilà, c'est celui-là. Sébastien Lemerle, Le cerveau reptilien. Voilà, ça c'est réparé. Donc, les questions qu'on se pose avec Lapin compris. Alors, est-ce que Lapin compris a compris où se trouvait la peur dans son cerveau un petit peu plus, j'ai l'impression. Et est-ce qu'il a compris que la mort, ça peut être. Une bonne chose, une belle personne, des cultures différentes et qu'on la voit pas tous de la même façon, ben je crois que Lapin l'a compris. Ça y est. Donc les questions que l'on se pose. À quoi sert une théorie scientifique si elle est vraie un jour et contredite quelques décennies plus tard? Effectivement. Y en a-t-il beaucoup d'autres dans le même type? Parce que bon, si c'est comme ça pour toutes les théories scientifiques, la science au bout d'un moment va complètement perdre de son intérêt et même de sa substance. Les questions auxquelles vous pouvez aussi répondre en commentaire, avez-vous envie de vivre sans fin ou de vous entretenir avec la mort personnifiée? Si vous deviez choisir entre l'un des deux, lequel choisiriez-vous? Ben, j'attends avec impatience vos réponses et vos commentaires, toujours dans le respect et dans l'intelligence. C'était Laurie Dubois pour la chronique Lapin compris, des sommes de toutes les peurs. À bientôt!